Lorsqu'on m'a appelé, je me suis dit, finalement, moi je réclame de la démocratie, je réclame d'avoir accès à la parole, et là on me la propose, je ne vais pas la refuser. Et puis l'autre raison, je me suis dit, ça va être une occasion de sortir de ma zone de confort. Je suis dans différents groupes, dans des associations, et on tourne en rond quelquefois, on parle, on est tous un peu consensuels, on est tous un peu d'accord, on a un peu les mêmes idées. Là, c'était l'occasion de rencontrer des gens différents, venant d'horizons différents, et d'entendre d'autres témoignages, d'autres idées, voilà. Alors, ce qui m'a étonnée, c'est la facilité de contact avec tout le monde. Les gens sont très ouverts, pas refermés sur eux-mêmes. Alors c'est peut-être parce que tous les gens qui ont accepté de venir ont une facilité à parler aux autres, en fait. Sont pas des gens solitaires. Mais je trouve que c'est assez facile, les gens sont plutôt sympathiques et on échange assez facilement. Maintenant, on n'est pas au cœur du sujet, on n'est pas au cœur des problématiques, donc on va voir au fur et à mesure, quoi. J'ai vraiment très très beaucoup aimé l'intervention du député qui a fait cette loi Claeys-Leonetti. Donc ça a été un bel éclairage pour moi, parce que c'est vrai que quand on m'a proposé cette convention fin de vie, je ne connaissais rien, mais alors rien du tout, et je ne me suis même pas renseignée. Donc je suis venue totalement neutre. Donc ça m'a bien éclairée sur les possibilités. Les soins palliatifs aussi, c'était super intéressant. Ah bah, j'aimerais qu'on attaque vraiment dans le vif du sujet. Là, je trouve que c'est normal, on a de l'information, on a besoin d'être informé, d'être formé. Mais j'aimerais presque que ça se fasse en parallèle avec la réflexion. Convivialité, ça c'est sûr. On a été très bien accueillis par le CESE, donc l'accueil peut-être, on pourrait mettre la convivialité, l'accueil. Et puis l'intérêt, c'est intéressant.